Hey, j'espère que vous allez bien, c'est Mathilde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo très spéciale puisque je vais vous emmener avec moi dans les coulisses de tournage d'un film. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti! En 2021, j'ai eu la chance d'aller sur un tournage de film pour pouvoir découvrir comment ça se passe de l'intérieur. Le film en question s'appelle Tempête et c'est évidemment un film qui parle de chevaux, mais pas que. Pour résumer un petit peu le film, c'est l'histoire de Zoé, qui est née dans le haras de ses parents, qui a grandi au milieu des chevaux et qui a toujours eu un rêve, celui de devenir jockey. On est dans les chevaux depuis des générations. Moi, mon rêve, c'est de gagner le Grand Prix d'Amérique. Attends que je sois jockey, papa, je vais t'aider. Un soir d'orage, sa jument Tempête, affolée, la renverse et brise son rêve. Zoé va pourtant s'accrocher et tenter l'impossible pour renouer avec son destin. C'est un film qui a donc été réalisé par Christian Duguay, un réalisateur québécois que vous connaissez sans doute pour ses films Belle et Sébastien, L'aventure continue, Un sac de billes, Anna Karénine ou encore Japlou. On retrouve à l'affiche de Tempête des acteurs phares du cinéma français tels que Mélanie Laurent, Pio Marmaille, Casey Mottet-Klein, Carole Bouquet, Carmen Kassovitch et même Danny Huston. Avant de commencer la vidéo en détail, je voudrais vraiment remercier toutes les équipes du film qui m'ont accueilli sur le tournage car c'était vraiment une expérience incroyable. J'ai donc passé 5 jours sur le tournage entre Senlis, l'hippodrome de Vincennes et la Normandie. Je vais vous raconter ici comment ça s'est passé et comment se déroule le tournage d'un film. Déjà, pour commencer, mais je pense que vous le savez déjà, on ne tourne pas un film comme on tourne une vidéo YouTube face caméra. Un film, ça ne se tourne pas dans l'ordre chronologique de ce que vous voyez à l'écran, mais ça se tourne selon les disponibilités des acteurs, la météo, les lieux de tournage et leur accessibilité, etc. C'est vraiment une organisation de plusieurs mois qui réunit beaucoup de personnes. Les acteurs et les réalisateurs, bien évidemment, mais il y a beaucoup d'autres métiers dans le monde du cinéma. Les maquilleurs, les costumiers, les ingénieurs du son, les pilotes de drones, les perchistes et j'en passe. C'est donc tout un écosystème qui se met en place autour de la création artistique du projet. Mais quand c'est un film avec des chevaux, eh bien, il y a encore plus de monde. Il y a les chevaux, ça c'est sûr, mais aussi des cascadeurs professionnels, des entraîneurs, des maquilleurs pour les chevaux. Bref, beaucoup de monde travaille derrière la caméra pour vous proposer ce qu'il y a de mieux à l'écran. Le silence, s'il vous plaît, moteur demandé. Action ! Action ! Les premières choses que j'ai apprises ont été liées au maquillage des chevaux, puisque c'est quelque chose que j'ai découvert sur le plateau. Afin de pouvoir jouer le rôle du cheval principal d'un film, on ne sélectionne pas un seul cheval, mais plusieurs, selon leurs compétences respectives. Certains vont apparaître dans des scènes simples, comme ici lors du premier jour de tournage à Senlis, où une conversation était filmée en compagnie d'un cheval. D'autres chevaux, qu'on peut appeler des chevaux de spectacle, sont aptes à tourner des cascades, donc les acteurs ne sont pas les seuls à avoir des doublures au cinéma, les chevaux en ont aussi. D'ailleurs, ils doivent tous ressembler au modèle de référence, au cheval héros du film, et c'est pourquoi on les maquille. On peut créer des balzanes, créer des listes, ajouter ou teindre temporairement des crins. Le but est évidemment que tous se ressemblent à l'identique et qu'on ne voit rien à l'écran. D'ailleurs, j'ai aussi pu découvrir comment on réalisait une naissance de poulain à l'écran. Pour ce faire, on peut filmer une vraie mise bas, mais c'est compliqué de trouver le moment opportun. On a eu 6 poulinières, on a raté 4 poulinages. Ou bien on peut utiliser un cheval dressé comme c'était le cas quand je suis venue sur le tournage. Ici, un cheval dressé, qui était en réalité un ongre d'ailleurs, se couche dans un box et l'équipe met en place différents éléments pour qu'on n'y voit que du feu. La fumée, le mouvement de la queue, un faux poulain en train de naître, tout laisse à penser que c'est réel, voire mystique à l'écran. En parlant de chevaux dressés, certains le sont aussi pour les cascades, et c'est d'ailleurs quelqu'un que vous connaissez sans doute qui s'est occupé du dressage des stars à 4 sabots, j'ai même pu le rencontrer. Mon nom c'est Mario Virachi, je suis chef cascadeur, équestre spécialisé dans les chevaux. Alors c'est simple, mon rôle sur ce tournage c'est de préparer toutes les cascades et de refaire tous les accidents qui éventuellement peuvent arriver au trot et faire des choses spectaculaires surtout pour donner l'impression que ça peut rester quelque chose d'extrêmement dangereux et donner de l'adrénaline au grand public. La cascade à laquelle j'ai pu assister se déroulait à l'hippodrome de Vincennes lors d'une course. Il y avait un tremplin qui était mis en place pour en fait créer l'illusion d'une chute et c'était hyper impressionnant à regarder. Mais vous vous doutez bien que si on forme les chevaux, il faut aussi former les acteurs. Car ce n'est pas inné de monter à cheval. Tempête est un film qui a pour décor le monde des courses de trot et devenir driver n'est pas une chose facile. Les acteurs doivent évidemment être formés afin de pouvoir monter à cheval mais aussi pour évoluer naturellement aux côtés des chevaux. Je m'appelle Carmen, j'ai 19 ans. Je suis comédienne et j'ai la chance de pouvoir jouer dans le film de Christian Duguay,
tempête. Alors, j'incarne une jeune fille de 16 ans qui s'appelle Zoé Rodier, qui a toujours grandi dans les chevaux. Elle a une famille qui vient du trot. Voilà, en fait, il y a trois comédiennes qui l'incarnent, donc une de 6 ans, une de 12 ans, une de 16 ans, qui est moi. Et en fait, pendant sa vie, il va lui arriver un accident tragique, elle va se faire piétiner le dos, bref, elle va devenir paraplégique. Et en fait, j'incarne Zoé à ses 16 ans, quand elle a remonté la pente et qu'elle devient... elle montre une autre facette d'elle-même et qu'elle se... Voilà quoi, elle remonte la pente, quoi. Ouais. Alors, j'ai commencé le cheval depuis que j'ai 4 ans, quoi. Depuis qu'on peut prendre des cours sur des chaises, quoi. Vraiment, c'est ma passion. J'avais des posters partout. Je passais ma journée au club. Et puis après, j'ai beaucoup monté. J'ai vécu en Martinique de mes 6 à mes 17 ans. Là, j'ai beaucoup monté. J'ai fait surtout du jumping. Presque que ça, d'ailleurs. Donc, j'ai beaucoup monté en concours de jumping. Voilà, ça va faire... presque 14 ans que je monte à cheval, donc ouais, ça commence à faire un petit bout de temps. Et puis là, je connaissais pas du tout le monde des courses. J'avais toujours un œil un peu distant sur les courses. Et en fait, en faisant ce film, je me suis rendu compte que les jockeys, ils sont trop cool. C'est un vrai amour du cheval. C'est vraiment pas comme à la télé, on peut s'imaginer les jockeys qui cravachent et tout. Moi, c'est cette image que j'avais. Et en fait, c'est tellement pas ça, quoi. C'est une grande famille et ils sont tous trop cool et ils sont vraiment amoureux de leurs chevaux. Et de pouvoir être même sur l'hippodrome de Vincennes, c'est un honneur, quoi. Vraiment. Bonjour, je m'appelle Pio Marmaille, je suis un acteur. Moi, je joue le rôle d'une personne qui s'appelle Philippe Rodier, qui est entraîneur de chevaux dans un haras, qui est obligé de s'associer avec un partenaire pour s'en sortir financièrement, et à qui il arrive une histoire familiale assez compliquée. Et oui, avec Pierre Vercruis, pendant un mois et demi avant de tourner, parce que j'avais jamais fait de cheval, encore moins de sulky. Et c'est quand même assez particulier comme travail, parce que bah, quand on n'a pas eu toute l'expérience de ça, il faut le faire avec quelqu'un de bon. Et Pierre m'a vraiment beaucoup aidé. Après, j'aime beaucoup les sensations que ça apporte, mais c'est quand même, je fais semblant que tout va bien, mais c'est quand même, quand on a à 8 en même temps et qu'on se serre la bourse, c'est assez émotionnellement, ça pousse un peu fort. Voilà. Faut s'accrocher. Je pensais que ça allait être une journée cool aujourd'hui, tu vois. Pas du tout, quoi. On était à 8, on était à tac avec la camionnette, le départ, les machins, les 400 personnes, tout ça. Je vois un peu, j'ai chaud. C'est physiquement, faut tenir. C'est un tournage très physique. Là, je vais faire un film sur les mousquetaires après. J'ai commencé à faire du cheval monté avant. Mais là, c'est un peu l'année du cheval, quoi. C'est un peu l'année et demie où je fais que du cheval. Donc, ça va pour l'instant, mais je pense qu'au bout d'un an et demi, il faudra plus trop en parler. Pendant un certain temps, évidemment. Mais je ferai une petite pause. Je m'appelle Casey Motte-Klein, je suis acteur, né en Suisse, d'un père américain, d'une mère française. Alors j'ai commencé l'équitation assez jeune, mais j'en ai pas fait très longtemps, j'en ai fait qu'un an ou deux, mais ce qui m'a permis d'avoir une première approche avec les chevaux. J'ai assez rapidement arrêté, puis c'est surtout un film continué de Joachim Lafosse que j'ai fait il y a 3 ans, qui m'a permis vraiment de retrouver les chevaux. C'est un film qu'on a tourné au Maroc, uniquement à cheval, pendant 3 mois. Et j'avais fait donc 6 mois de préparation avant chez Mario Luracci, pour me former vraiment à l'équitation, à la monte de cowboy. Et c'était vraiment une expérience formidable. J'ai d'ailleurs acheté le cheval du tournage, le cheval donc qui jouait mon cheval dans le film, quoi. Je pense qu'il est nécessaire forcément d'avoir des notions en équitation et surtout avoir une sensibilité avec le cheval pour mon rôle particulièrement, parce que Seb, c'est quelqu'un qui a une vraie sensibilité avec les chevaux. C'est un animal qui est extrêmement craintif, et puis il faut vraiment être en introspection sur soi-même pour approcher un cheval, et puis se dire que de toute façon, quelle que soit la réaction du cheval, c'est probablement de notre faute et pas de la sienne. Avoir cette approche-là, bah, ça permet vraiment de pouvoir à l'image sentir qu'on est vraiment un homme de cheval. Et vous vous demandez peut-être, comment est-ce qu'on filme tout ça? Eh bien avec du matériel ultra technologique. Drone, caméra embarquée en voiture ou bien placée sur des stabilisateurs ultra sophistiqués. Je vous avoue que j'aimerais bien voir tout ça pour filmer mes vidéos YouTube. Un plateau de tournage, ce sont aussi des figurants qu'il faut guider afin de réaliser des scènes où les gradins sont pleins, où il y a de la vie au restaurant. C'était notamment le cas à l'hippodrome de Vincennes, où j'ai pu assister au tournage d'une scène dans les gradins et tout s'orchestre comme une chorégraphie.
chacun a un rôle précis, un mouvement à faire et tout le monde doit être synchro. C'est hyper compliqué et hyper technique. Action. En parlant de l'hippodrome de Vincennes, on a aussi assisté à une prise de vue de l'intérieur, entre guillemets, car je suis montrée à bord du camion de la protection civile qui suit les chevaux au milieu de l'hippodrome pendant les courses pour intervenir en cas d'accident notamment. Et comme il y a parfois des aléas lors des tournages, j'y suis restée plus longtemps que prévu car la scène à tourner avait changé entre le moment où j'ai eu l'autorisation de monter dans le camion et le moment où j'étais à l'intérieur. On ne filmait alors plus la course de nuit, mais une prise de vue depuis le restaurant. Donc on ne pouvait plus sortir du camion sinon on nous voyait à l'image en arrière-plan. Je suis donc restée avec la protection civile dans le camion de 21h30 à 2h du matin en attendant que la scène de course soit tournée et la fatigue m'a bien rattrapée. Voilà. Mais on a pu avoir une super vue sur cette scène et c'était génial. On est ensuite allé en Normandie pour la fin du tournage à la plage et un seul mot pour vous résumer ces deux journées, magique. On a pu retrouver Lorenzo et ses chevaux sur le plateau de tournage, en liberté sur la plage au coucher du soleil, le tout filmé par un drone au bord de l'eau. J'ai vraiment trop hâte de voir comment ça rend au cinéma. Moi c'est Lorenzo, je viens du sud de la France, de Camargue. Ma spécialité c'est de dresser les chevaux en liberté et de sauter des obstacles debout et de faire des numéros. C'est vraiment les spectacles en fait. Donc c'est Mario qui m'a pris pour la partie liberté justement. Et ouais, j'avais déjà tourné dans une pub pour Mario aussi. Et là ouais, le cinéma c'est la première fois. Et ouais, c'était une plage immense, donc petit challenge. Même si on a des très belles plages chez nous. Enfin, on est habitué à la plage quand même, mais là c'est vrai que c'est vraiment grand. Ces derniers jours m'ont aussi permis de rencontrer le réalisateur du film et d'échanger avec lui au sujet de la création artistique du projet et de l'organisation du tournage. Alors, mon nom est Christian Duguay. Avant-dernier jour de tournage sur un film qui pour moi est extrêmement important, probablement le film le plus important de ma carrière. J'ai commencé à écrire ce film il y a plus d'un an et demi et maintenant s'achève cette aventure extraordinaire où on tourne. De la Manche. Je termine avec mon ami Mario Doracci qui règle toutes les cascades. Grâce à lui que je peux faire encore un film sur les chevaux, un truc que j'adore. C'est le deuxième film que je fais après Jacques Loup. Je retrouve mon ami Mario et puis on fait ce film qui est une ode au rapport homme-cheval, qui pour moi est extrêmement important. Et puis voilà, on est tous très contents. Ce tournage qui était très éprouvant, très difficile. Des chevaux, des enfants, il y avait des enjeux colossaux et franchement ça s'est bien passé. On s'est mis dans une aventure qui d'abord et avant tout est extrêmement éprouvante. Bref, le tournage du film était incroyable et je remercie encore une fois la production et les équipes du film pour m'avoir accueilli sur le plateau. C'était vraiment génial de pouvoir découvrir ce milieu et de pouvoir voir un petit peu les coulisses pour pouvoir vous les partager. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et également à me poser des questions si vous en avez. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. D'ailleurs, on est 100 000 maintenant, donc merci beaucoup pour tout. Et n'oubliez pas aussi de me rejoindre sur Insta et TikTok. Tempête, c'est un film sur la résilience. On en a besoin en ce moment. Foncez le voir, ça va être chambé, vous allez pleurer, vous allez rire. Il faut y aller. Go.